Un atterrissage dramatique en Ukraine. Un Antonov s'est écrasé hier soir en tentant de se poser à l'aéroport de Donetsk. Le dernier bilan fait état de 5 morts et de 12 blessés. Une sixième personne serait portée disparue. L'appareil transportait 45 personnes, parmi elles des supporters du Shakhtar Donetsk venus assister à un match de Ligue des Champions. Le pilote a été contraint d'atterrir pour une raison encore indéterminée. Dans l'avion, on a tous senti qu'on commençait à atterrir. Après, il y a eu une collision. L'avion a été compressé comme une boîte de conserve et il s'est retourné et s'est brisé. On a pu quitter l'appareil grâce à un trou. Et je voudrais remercier les personnes qui nous ont aidés à détacher nos ceintures de sécurité. On s'est ensuite éloigné à une distance maximale pour notre sécurité et puis l'avion a commencé à prendre feu. Selon d'autres rescapés, un incendie s'est déclaré à bord de l'appareil avant l'atterrissage d'urgence. En mémoire des victimes, une minute de silence a été observée lors du match de football.